Mes chers amis, nous voilà arrivés à nouveau au premier samedi du mois. Et aujourd'hui, je voudrais d'une manière particulière vous raconter une anecdote, car je reviens de mission en Espagne. Et lorsque j'étais dans la ville de Séville, j'ai rencontré un prêtre, celui qui nous a invités à la mission d'ailleurs dans son église, un prêtre qui rayonnait vraiment la lumière, la sainteté, la douceur, l'humilité du Christ, ça vous était magnifique. Et alors, il est aussi exorciste. Il nous a raconté ce fait qui m'a beaucoup touchée. Un jour, il exorcisait une femme qui était vraiment très possédée. Et donc, il était en train de faire la prière d'exorcisme. Et cette femme, eh bien, le démon a parlé à travers elle, comme c'est souvent le cas dans les exorcismes. C'est Satan qui parle à travers la personne. Et Satan a voulu provoquer ce prêtre. Et il lui a dit, avec un petit air narquois, « Ah, tu crois quand même pas que tu seras protégé toujours par elle, par son manteau maternel ?» Alors, il faut savoir que Satan ne prononce jamais le mot de Marie ou de la Vierge Marie. Et alors il a dit par elle, tu crois quand même pas que tu seras toujours protégé par elle sous son manteau maternel. C'était une belle provocation de la part de Satan. Et 2 secondes plus tard, Satan s'est mis à hurler. Ah non, 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 va-t'en, 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 je te supporte pas, va-t'en, va-t'en. Parce que vous devinez ce qui a dû se passer, c'est que provoquée ainsi, la Sainte Vierge a réagi, elle s'est manifestée. Justement par son manteau maternel qui a recouvert le prêtre, et Satan n'a pas supporté la présence de la Vierge Marie. Ça, c'est classique. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ce fait qui sera reconnu certainement par beaucoup d'autres exorcistes? Eh bien, c'est parce que aujourd'hui, je voudrais vous inviter d'une manière particulière à habiter le manteau de Marie, à nous laisser recouvrir par le manteau de Marie. Vous savez, aujourd'hui, on recherche beaucoup les refuges. On parle beaucoup des refuges à cause de l'insécurité du monde, à cause des bruits de guerre et des guerres, à cause aussi de la difficulté de faire des plans d'avenir, puisqu'on ne sait pas grand-chose sur l'avenir immédiat même du monde, de notre pays. Donc je vous invite à choisir un refuge. Ce sera le refuge le plus sûr, le plus permanent. Ce sera un refuge qui ne vous décevra pas. Donc c'est notre refuge en réalité, c'est le manteau de la Vierge Marie. Ce manteau, il est tissé par Dieu lui-même. Le Très-Haut te couvrira de son ombre, avait dit l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà le manteau de Marie. C'est le Très-Haut lui-même, c'est Dieu lui-même. Si bien que celui qui habite dans le manteau de Marie est protégé. Et je voudrais vous lire quelques messages que justement la Vierge Marie, au cours des 43 ans d'apparition à Medjugorje, nous a donnés. Ils sont très significatifs. D'abord, elle nous parle de l'amour parfait. Qui n'a pas rêvé d'un amour parfait? Et on est fait pour l'amour parfait. Regardez Jésus qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Donc on est fait pour l'amour parfait. Et Marie nous dit le 25 octobre 87 « Priez, car dans la prière, chacun de vous pourra atteindre l'amour parfait. Je vous bénis et je désire aider chacun de vous à être sous mon manteau maternel. » Et le manteau maternel de Marie, c'est le lieu de l'amour parfait, évidemment. Outre l'amour parfait, la Vierge aussi veut nous envelopper de son manteau maternel pour nous protéger des attaques de Satan. Elle nous dit le 25 décembre 92, « Chers enfants, je désire vous mettre tous sous mon manteau et vous protéger de toutes les attaques sataniques. » Alors ici, je voudrais faire une petite diversion et vous parler d'un texte qui a été écrit par Don Dolindo. Vous connaissez Don Dolindo et sa fameuse formule d'abandon. « Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. » Autrement dit, c'est ton problème. Quand on a un problème, Jésus, c'est ton problème. Et dans un livre qu'il a écrit, qui s'appelle « Ainsi j'ai vu l'Immaculée », la Vierge lui a dit « Lorsque j'ai répondu à l'annonce de l'ange, voici la servante du Seigneur, j'ai réparé le cri poussé par les anges rebelles, et qui était donc « Je ne servirai pas ». Et en m'abandonnant complètement à Dieu,
j'ai accueilli dans mon sein le Verbe de Dieu. Il faut savoir que les anges rebelles y sont tombés de leur hauteur, parce qu'ils étaient très 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 beaux, parce qu'ils n'ont pas voulu adorer l'humanité du Verbe de Dieu, c'est-à-dire Jésus fait chair, Jésus qui avait pris notre corps humain. Et la Vierge dit qu'elle a réparé cette offense en adorant justement cette humanité du Christ dans son sein maternel. Et elle est restée ainsi toujours la servante de Dieu et en même temps sa mère. Donc vous voyez, Marie est puissante parce qu'elle a réparé le cri des mauvais anges qui s'est élevé de « non serviam »,« je ne servirai pas ». Elle l'a réparé par son humilité, par son adhésion totale à la volonté de Dieu. Et c'est une invitation pour ceux qui habitent dans son manteau, c'est justement d'adhérer totalement à la volonté de Dieu, comme Marie nous en montre l'exemple. Elle nous parle encore de son amour, écoutez bien ce qu'elle dit. Le 2 juillet 2014, « Seule l'humilité, donc la petitesse, seule l'humilité peut vous guérir, mes enfants. J'ai toujours vécu humblement, avec courage et dans l'espérance. » J'aime beaucoup quand Marie, dans ses messages, nous parle un petit peu de son expérience personnelle. Elle a toujours vécu humblement. « Je vous demande la même chose, chers enfants. Je vous veux tous avec moi dans l'éternité, car vous faites partie de moi. » Ça, c'est une maman qui parle. Plus qu'une maman, même. Toute mère pense que son enfant fait partie d'elle. Il a été conçu dans son sein, il a grandi dans son sein. Il y a un lien indélébile entre la mère et l'enfant. Mais pour Marie, c'est encore plus parce qu'elle nous a enfantés aussi dans la douleur. Nous faisons partie d'elle parce qu'elle est vraiment la mère qui est celle qui nous attend aussi dans l'éternité. Notre mère humaine, eh bien, elle aura fait son travail sur la terre. Mais cette mère de Dieu, notre mère, sera notre mère pour l'éternité. Et elle vient en quelque sorte combler les manques d'amour maternel que nous avons pu avoir, dont nous avons pu souffrir dans notre enfance, même dans le sein maternel. Et après, elle vient combler toutes ces carences. Elle nous donne son amour maternel. Écoutez bien ce qu'elle dit. « Donc je vous veux tous avec moi dans l'éternité, car vous faites partie de moi. Je vous aiderai dans votre cheminement. Mon amour vous enveloppera comme d'un manteau. Il fera de vous des apôtres de ma lumière, de la lumière de Dieu. Avec l'amour qui provient de l'humilité, vous porterez la lumière là où règnent les ténèbres, la cécité. Vous porterez mon Fils qui est la lumière du monde. » Pour habiter dans le manteau maternel de Marie, bien sûr, il nous faut abandonner le péché. C'est pour ça qu'elle nous invite de nous confesser au moins une fois par mois, d'abandonner le péché. Elle nous dit, le 2 juillet 2017, « Mon cœur souffre, les péchés se multiplient, ils sont très nombreux. Mais avec l'aide de vous qui êtes humble, modeste, rempli d'amour, caché et saint, mon cœur triomphera. Apôtre de mon amour, je vous recouvre de mon manteau, car comme mère, je désire vous protéger. » Nous protège aussi du péché. Alors lorsqu'on habite le manteau de Marie, on n'est pas seulement contre son cœur immaculé, en recevant bien sûr tout ce qui émane de ce cœur immaculé, tellement aimant, tellement maternel, mais on est aussi sous son regard maternel. Et son regard maternel, nous le savons, par les voyants évidemment, c'est un regard qui enveloppe, mais c'est aussi un regard qui connaît, un regard d'une infinie douceur qui nous pénètre jusqu'au fond de l'âme, et qui ne s'arrête pas au péché, au mal, aux ténèbres, à tout ce qui est sale en nous. Elle va directement au fond de l'âme créée par Dieu, où elle trouve vraiment la créature, la belle créature qui est sortie des mains de Dieu. Et être sous son regard, c'est être connu et aimé, être chéri, être choyé, être guéri, être libéré. Ce regard est un regard qui connaît tout de nous. Marie sait quel est le plan de Dieu pour nous avant même que nous soyons conçus. Et puis elle connaît le moment où nous avons été conçus. Elle connaît notre maman, notre papa. Elle connaît notre mère, elle connaît notre père. Elle connaît le temps que nous avons vécu dans le sein maternel. Elle nous accompagne à chaque instant dans le sein maternel. Elle est là à notre naissance. Elle est là, elle sait comment nous sommes nés. Elle sait qu'est-ce que nous avons trouvé au moment de la naissance, quelle famille nous avons trouvé ou quel manque de famille nous avons trouvé.
Elle sait tout de nous. Elle nous enveloppe d'un regard d'une infinie douceur. Et cette douceur nous guérit. Cette douceur nous fait aussi désirer le ciel. Vous savez ce qu'elle a dit à la voyante Lucia de Fatima, qui avait peur de se retrouver toute seule, puisque ses petits cousins Francesco et Jacinta devaient mourir de la grippe espagnole. Donc elle dit, mais alors moi je vais me retrouver toute seule. Et la Vierge lui a répondu, non. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin est ton chemin vers le ciel. Donc voyez, le regard de Marie et son cœur, c'est vraiment ce qui va nous donner ce courage, cet enthousiasme, cette joie, je dirais, d'avancer avec le Seigneur vers le ciel, main dans la main avec la Vierge Marie. C'est un regard aussi qui est tellement beau, tellement doux, tellement attirant, j'allais dire tellement comblant, au sens que c'est un regard qui nous comble d'amour, qui comble les vides que nous avons en nous. C'est un regard tellement profond et aimant qu'elle peut se permettre de nous demander quelque chose d'important. « Chers enfants, nous dit-elle le 25 février 87, aujourd'hui je voudrais vous envelopper tous de mon manteau et vous conduire tous vers le chemin de la conversion. » Chers enfants, je vous en prie, donnez au Seigneur tout votre passé, tout le mal qui s'est accumulé dans vos cœurs. Je désire que chacun de vous soit heureux, mais avec le péché, personne ne peut l'être. Alors vous voyez, habiter le manteau maternel de Marie, être contre son cœur immaculé, être sous son regard maternel et doux, cela veut dire que déjà, nous avons vaincu le mal, nous avons déjà vaincu Satan. C'est pourquoi je vous invitais au début de cette méditation à faire ce choix, mes chers frères et sœurs, à faire ce choix d'habiter vraiment le manteau de Marie. Et pour cela, il suffit de lui demander. Si vous acceptez d'abandonner le péché, si vous acceptez de dire le chapelet régulièrement, tous les jours, si vous acceptez de vivre aussi de l'Eucharistie, vous êtes déjà vainqueur du mal. Et se laisser envelopper par le manteau de Marie, c'est aussi donner une grande joie à Jésus, son Fils. Parce que c'est lui, en fait, qui était le premier enveloppé par sa mère. Et pourquoi il était si heureux avec sa mère? C'est parce qu'elle a toujours dit oui. Et son oui a réparé. Son oui a réparé le nom des anges déchus. Et lorsque nous sommes sous le manteau de Marie, nous sommes avec Marie, pour participer à cette réparation que Marie a faite par son oui, réparation du mal que nous avons pu commettre nous-mêmes, mais aussi réparation de toutes les offenses, les insultes, les sacrilèges qui sont faites contre le nom de Marie, contre la Vierge Marie, contre sa virginité, contre son amour, et bien sûr contre Jésus lui-même. Si bien qu'en habitant le manteau de Marie, nous aidons le monde. Nous aidons le monde à se purifier, nous aidons le monde à devenir meilleur. Nous aidons le monde à choisir Dieu. Nous sommes avec Marie comme ce phare qui éclaire la mer. Et sur la mer, il y a des bateaux. Il y a des bateaux qui sont en danger. Il y a des bateaux qui marchent difficilement, qui sont dans les vagues. Quand nous habitons le manteau de Marie, quand nous le laissons envelopper par le manteau de Marie, nous aidons tous les hommes. Nous aidons tous les hommes à devenir meilleurs. Nous aidons tous les hommes à retrouver le chemin de Dieu. Nous aidons tous les hommes à avoir le courage de se tourner à nouveau vers Dieu. Nous aidons tous les hommes à prendre le chemin du vrai bonheur, celui qui ne trompe pas, à prendre le chemin du véritable amour, celui qui dure sur cette terre et pour la vie éternelle. Nous participons à cette œuvre que Marie fait d'attirer tous les hommes au cœur de son Fils, ce cœur qui est le cœur du monde, qui attire tous les hommes à lui, ce cœur qui bat, ce cœur qui pulse, ce cœur qui délivre l'amour, ce cœur qui nous invite tous avec tant d'humilité et tant d'amour. Je terminerai par ce message du 25 février 93. Pour comprendre ce que vous devez faire, petits enfants, priez et Dieu vous donnera ce que concrètement vous devez faire et en quoi vous devez changer. En quoi nous devons changer? Il y a un pas à faire, il y a une décision à prendre. Et elle termine, « Je suis avec vous ». Je combats avec vous. Je suis avec vous et je vous mets tous sous mon manteau.